L'insertion de la lucarne peut se réaliser soit sur le plan, soit dans la vue 3D, et uniquement sur les pans. Depuis le menu dessin, après avoir sélectionné l'objet architectural lucarne, réalisez un clic de la souris à l'intérieur du pan sur lequel vous souhaitez l'insérer. Vous accédez de cette façon directement à l'éditeur pour définir la lucarne. Choisissez tout d'abord le type de lucarne. Ensuite, sur le pan sélectionné, c'est-à-dire le pan avec le bord rouge, effectuez un premier clic de souris pour fixer le point d'insertion. En vous déplaçant, vous pouvez déterminer le deuxième point. Pour le fixer, il suffit de cliquer une deuxième fois. Depuis le plan, en sélectionnant un côté de l'objet, vous pouvez modifier la mesure. Directement depuis la vue 3D, avec les spécifiques poignées, vous pouvez modifier la hauteur librement ou la saisir avec le clavier. Dans la boîte à outils propriétés, vous pouvez spécifier des caractéristiques, comme par exemple la stratigraphie du pan, de la lucarne et de l'enveloppe, la saillie frontale et les matériaux. Après avoir terminé le dessin de la lucarne, fermez l'éditeur en cliquant sur le bouton « Terminer ».